Aujourd'hui, les enfants, nous allons reprendre la lecture du livre Histoire pressée que vous connaissez. Ce matin, nous allons lire Cauchemar. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire cauchemar? Oui, Mohamed. Ça signifie c'est un mauvais rêve. C'est un mauvais rêve, oui. Quelqu'un d'autre? C'est un rêve qui fait peur. De l'ancien français, cauchemar, composé de caque, apparenté à l'ancien français, coche du verbe chauchier, presser, fouler, et de mar, emprunté du néerlandais, mar, fantôme nocturne. Bah alors on va lire une histoire de fantôme. C'est bizarre, maîtresse. Cauchemar, ça rime avec calamar. Mais ça rime aussi avec canular. 21h30, je suis au lit. En trois oreilles et dans le dos, un livre sur les genoux, ma mère entre dans la chambre. Qu'est-ce que tu lis encore? Elle m'arrache le livre des mains, regarde dégoûtée la couverture dégoulinante de son meurtre à la cantine. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce qui était l'ancienne bibliothèque de Le Fid, qui est fermée depuis 2 ans. Vos camarades qui venaient avant, ils venaient, ils passaient pas mal de temps chez nous ici et ils avaient le choix de choisir beaucoup de livres. Donc on avait les romans. C'est du passé, c'est un objet du passé, le livre est un objet du passé. Au suivant, tu n'as rien? Dans ton cartable? Ouais. Comment ça? J'ai trouvé un livre. Voilà. Anna, ça... Oh, j'ai fait un cauchemar. J'ai cru les livres allaient être interdits à l'école. Mais non, Anna, Damien fait du cinéma, sa mère. Ah. Ah bah tu vois, Anna, c'est ça la magie des livres. À travers la lecture, on peut comprendre le monde qui nous entoure. Pendant mon temps libre, je lis. Parmi tous ces livres, mes préférés sont les BD, car il y a des histoires rigolotes et des images. Mais on peut aussi apprendre l'histoire de France en BD. J'apprends les expressions et j'enrichis mon vocabulaire. Chaque soir, je lis avec mon petit chat Shadow mon livre préféré qui m'aide à améliorer ma lecture et mon imagination. J'aime lire parce que lire, c'est intéressant, passionnant. Et il y a plusieurs sortes de livres que j'aime lire, comme ce livre Toboggan. La lecture me fait plaisir. J'aime lire surtout les petits contes. J'apprends des morales et j'aime lire car c'est amusant. Et surtout, j'aime lire avec mon petit ami. J'aime lire car pour moi, c'est facile, amusant et éducatif. Lire nous permet d'apprendre des nouveaux mots et savoir leur sens. Mon meilleur souvenir de lecture est quand on a interviewé l'écrivain Olivier Robin. Et vous, vous aimez lire ?